BMW passe un cap important avec ses véhicules électriques. Sur les 594 671 unités écoulées au premier trimestre 2024 par le groupe BM, 82 700 étaient des modèles 100% électriques. 27,9% de progression par rapport à la même période l'année dernière. Ok, si on se concentre sur les ventes de BMW, la progression est encore plus spectaculaire. La marque Alesis a vendu 531 039 unités à travers le monde, dont 78 691 véhicules 100% électriques, ce qui représente une augmentation de 40,6% par rapport à l'année précédente. Les i4, iX3, iX1, iX et i7 ont été particulièrement plébiscités. Les nouveaux iX2 et i5 sont juste derrière. Lors du premier trimestre 2024, le groupe a passé un cap symbolique, la livraison du millionième véhicule électrique. Jochen Goller, membre du conseil d'administration de BMW, a déclaré: Nous avons franchi une étape importante qui confirme l'attrait de notre portefeuille de produits. La première BMW était l'i3, lancée en 2013. Elle a quitté le catalogue mi-2022, après 250 000 exemplaires produits. Le constructeur fait évoluer sa stratégie en proposant des dérivés électriques de ses modèles classiques. On va calculer la part de marché, tiens, des électriques là. Alors, 82 700 divisé par ça fait 13,9% de part de marché. Ouais, c'est pas trop mal. Après, ça reste quand même pas énorme hein, en chiffre brut par rapport au reste. Bon, voilà pour cette nouvelle.